Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut commencer dans la comédie ou dans le théâtre pour bien commencer et pas tomber dans le même piège dans lequel toi t'es tombé, ou bien prendre un chemin plus facile Bah, peut-être? si t'as la chance d'avoir un diplôme, ce qui n'était pas mon cas, moi j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans, en troisième professionnel. J'ai même pas le brevet de natation. Mais si t'as la chance d'avoir un diplôme et tout ça, et que tu parles mieux que moi, etc., ben va au conservatoire, va à l'INSAS, va à l'IAD, va n'importe où. Tape dans les portes. Une porte, c'est fait pour être défoncée. Et si on te refuse, reviens, lâche pas jusqu'à ce qu'ils te prennent. C'est tout. Et donne-toi les chances de faire mieux que nous. Ok, Tu vois? et de aller, moi je parlais plus de la naïveté, de si t'es très bon par exemple, tout le monde te voudra et Oui. tout le monde te donnera pas ton dû entre guillemets. Ouais, mais après, faut pas être pressé. Voilà. Tu vois? Déjà, si tu te dis je suis très bon on doit me donner mon dû, t'es mort. Tu vois? Il faut tranquille, tu vois? Tranquille, tu vois ce qui va se passer et puis tu travailles pour obtenir ce que tu veux, mais tu vas pas. Si tu as la chance d'obtenir ça du jour au lendemain, tant mieux pour toi. Mais si c'est pas le cas, ben c'est pas grave. Tout doucement. Et Anthony Hopkins ou Ben Kingsley, c'est des mecs ou Morgan Freeman ou d'autres, qui sont devenus des stars internationales quand ils ont eu 50 ans. Donc voilà. Il faut y aller, il faut se battre, il faut essayer. Et aujourd'hui, encore une fois, vous avez les téléphones et tout. Tu peux faire des films avec ça. C'est Tu peux faire ça. des trucs. Ben oui. Il y a YouTube, il y a tout. Tu peux exister. Si on ne te donne pas le canal, ben tu le crées toi-même. Moi, je ne sais pas le faire parce que je suis un vieux, tu vois. Mais c'est vrai. À l'ancien. Ben ouais, un ancien, ouais, c'est sûr. Et donc Tu vois? ma deuxième question c'était.